vous êtes prêts? Parce que oui, on l'est tous ici. J'espère que pour vous, donc, c'est pareil. Ce qui arrive là, c'est ce qu'on attendait tous. C'est ce qu'on a déjà imaginé mille fois, mais qui finit toujours différemment. C'est cette part d'imprévisible. C'est ce qui fait qu'on aime le foot. C'est une soirée placée sous le signe de la pluie. Il fait moche au Santiago Bernabéu, mais la météo, c'est secondaire. L'essentiel, évidemment, est ailleurs. Ici Benjamin Da Silva avec Omar Da Fonseca pour vous faire vivre ce match. Ah, il peut y avoir danger là. Oh oui, ce but avec cette reprise de volée. Il y a tout, l'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Et la situation de 2 contre 1 face au gardien, tu n'as pas le droit de le manquer. Là, le gardien ne peut rien faire, c'est marqué, logique. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Oh, il y a de l'espace, là, faut en profiter. Et oui, c'est dedans! Quelle domination, quelle facilité! Oh là là! La rencontre bascule nettement en leur faveur avec ce nouveau but. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière, ça va très vite. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force? C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Il y a du monde en soutien. Un ballon récupéré par le Real Madrid. Et pourquoi pas ici? Oui, bien défendu! C'est bien parti pour ce corner. Waouh, c'est incroyable! C'est exceptionnel! C'est somptueux! Golasso! Golasso, quel golasso! Regardez un peu ça, vous ne verrez jamais rien de plus beau aujourd'hui. Quand j'étais jeune, je n'ai mis des bicyclettes à l'entraînement, mais sans doute pas aussi belle, aussi précise. Quelle publicité pour le football! Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. Allez, c'est reparti dans ce match. 3 buts d'avance pour le Real Madrid. Eh, bien donné ce ballon! Le centre est manqué, pas suffisamment de maîtrise dans le geste. Sortie en touche. Sous pression. Le duel pour récupérer la balle. Un face-à-face à négocier. Oh, attention! Goal, 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 goal! Et encore un, et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Et ça peut être dangereux. Ce ballon piqué n'atterrit pas au bon endroit. Nous y avons cru, mais quelle vista quand même. Sacrée justesse des pieds. Malheureusement, manque de réussite. Aïe, 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 ballon perdu. Oui, il faut frapper maintenant. Ouais, c'est bien joué. Quelle claquette! Et ça sort en corner.
Le corner de De Bruyne. Il s'est dégagé par la défense. Oui, coup franc accordé par l'arbitre sur cette faute. Aïe, la mauvaise passe s'est rendue directement. Et peut-être une option pour une contre-attaque. C'est récupéré par le Real Madrid. Ah, la défense est battue. Et le danger toujours. Et un arrêt qui fait du bien. Le ballon de De Bruyne. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. Aurélien Tchouaméni. Attention! Ah, et l'intervention éloigne le danger. Ballon pour Brahim Diaz. Très bonne défense, sans faire de faute. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Et nous jouerons donc 2 minutes supplémentaires minimum. Le tir lointain, à la frappe est contrée. De Bruyne alerte un partenaire. Bon crochet vers l'intérieur. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation! On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il n'en reste plus qu'à ajuster. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Le retour des vestiaires et le ballon pour le Real Madrid. La bonne intervention de Ferland Mendy. Magnifique, quelle passe! Elle s'est bien donnée dans la course. Ça joue avec De Bruyne. Attention, grosse occasion! Le gardien se saisit tranquillement du ballon à une telle distance, c'est inespéré. Pas grand-chose de positif ici, beaucoup trop de suffisance dans cette action. Olé, belle technique là. Ah, il faut qu'il prenne sa chance là. Goal, 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 goal. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et avec ce nouveau but, ça fait 6-0, score sans appel. Poulsen. Oui, sans commettre de faute. Une grosse opportunité, attention! Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Faute, et oui, il y a faute, et donc l'attaque n'ira pas plus loin. Et l'arbitre sort le carton jaune pour cette faute, c'est mérité. Très bonne décision. Absolument.
Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Un peu de champ pour tenter une frappe. Et oui, but! Si tu récupères le ballon très haut, tu peux de suite à te procurer une action dangereuse. C'est bien joué. Et avec ce but, le score est maintenant de 6-1. Oh, le tacle mal maîtrisé. L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas immérité. Et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Avec Kevin De Bruyne. Oui, bien fait de la part du gardien. Allez, bien frappé ce corner. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Oui, le tir. Allez, c'est bien capté par le gardien. Allez, vous le voyez avec ce petit rappel. N'oubliez pas de programmer une alerte pour ce match à vivre ensemble. Le Real Madrid à Séville. Effectivement, j'ai hâte. Et attention, son ballon dangereux. Il y a un gros pressing. Moncayola. En direction de Van Aken. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Ah, bien placé pour une frappe, peut-être. Frappe puissante, mais ça passe loin du but. La spontanéité, c'est bien, mais il faut aussi de l'efficacité. Luka Modric. Oh, il y a une bonne occasion là. Oh, attention. Oh là 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 là. Et encore, encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça s'arrête plus. Ça tourne à l'humiliation cette histoire. On la revoit cette frappe au premier poteau. C'est très bien joué dans le trou de souris. Même si on se demande si la défense ne pouvait pas faire un peu mieux. Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. Poulsen. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Ah, la défense est battue. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. C'est fini, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre et le Real Madrid remporte les 3 points de la victoire. Une performance au collectif. Et voilà ce qu'on appelle un récital, un très très grand match de sa part. Il y a la victoire finale bien sûr, il y a surtout son niveau exceptionnel du début à la fin. Il donne le ballon, il le fait obéir. Quelle exhibition artistique!